Bonjour à toutes et à tous, c'est Voldark, et aujourd'hui je vous ai fait un tutoriel pour vous apprendre comment chasser les petits monstres, tels que le Kelbi, les Altaroth, les Gnaabra, les Anteka ou les Biggy. Donc c'est parti, on démarre avec les Kelbi. Donc comme vous avez pu constater, je viens de faire le premier Kelbi, donc en fait, pour obtenir beaucoup de chance d'avoir des cornes de Kelbi, il suffit tout simplement de les assommer et ensuite les dépecer. Donc pour les assommer, il suffit juste d'avoir une arme qui peut vous permettre cet effet, c'est-à-dire soit l'épée bouclier, ou le marteau, ou éventuellement la corne de chasse. Donc maintenant nous allons passer aux Altaroth. Donc comme vous avez peut-être ça vous est déjà arrivé, quand vous les attaquez, forcément, quand vous les tuez, ils partent en morceaux, ils se détruisent. Donc pour éviter cela, il suffit tout simplement de les empoisonner. Donc soit à l'aide de bombes qui empoisonnent, ou tout simplement une arme qui a le statut poison. Donc ce qui sera mon cas pour cette vidéo. Donc une fois les Altaroth empoisonnés, il suffit juste d'attendre patiemment, tout en évitant que Chacha et Kayamba tuent les Altaroth. Envoyez-leur des signaux pour les rappeler vers vous. Une fois l'Altaroth tué par le poison, il tombe sur le sol et vous pouvez le dépecer. Nous allons à présent passer au Gnaabra. J'ai une petite astuce, elle fonctionne autant pour le bas rang que le haut rang, mais aussi pour le rangé. Donc vous faites une quête visite en forêt inondée. Il vous faut une arme à statut poison. Nous allons nous rendre en zone 1, où se trouve un Gnaabra. Empoisonnez-le. Évitez toujours que Chacha et Kayamba tuent le Gnaabra. Et aussi, évitez que le Gnaabra tombe sur le sol dans le décor. Nous allons ensuite traverser la zone 8 pour nous retrouver en zone 9. Un second Gnaabra nous y attend. Donc là, on répète la même chose. On empoisonne le Gnaabra, tout en évitant que Chacha et Kayamba le tuent, et que le Gnaabra tombe sur le sol en dehors de la zone de dépeçage, c'est-à-dire dans le décor. Nous allons à présent retourner en zone 1. Le Gnaabra que nous avions dépecé avant d'aller en zone 9 est réapparu en zone 1. Répétez l'opération. Pour le Gnaabra, vous pouvez répéter cette action de la zone 1 à la zone 9 à l'infini jusqu'à la fin de la quête, ce qui vous permet de récolter beaucoup de composants de Gnaabra. Nous allons à présent voir l'Anteka. Donc, tout comme le Kelbi, il suffit tout simplement de l'assommer. Vos chances de récolter des cornes sont ainsi multipliées.
Et enfin, pour finir ce tutoriel, allez en toundra, en zone 5, vous y trouverez un œuf Jiggy. Si vous avez besoin de fluide de monstre, de bois de monstre ou d'essence monstre, celle-ci est la meilleure des solutions. Il suffit tout simplement de rester dans cette zone, de tuer les Jiggy, ils réapparaîtront à l'infini puisqu'un œuf de Jiggy se trouve à proximité. Il vous suffit donc de tuer les Jiggy, de les dépecer, d'attendre l'apparition d'autres Jiggy pour les tuer, les dépecer et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous ayez tous les éléments de récolte que vous aviez besoin. Pour éviter une surconsommation de breuvage chaud ou d'antidote, pensez à activer les danses sur Chacha et Kayamba pour le breuvage chaud et pour l'antidote. Il faut également éviter que Chacha et Kayamba détruisent l'œuf, sinon, une fois l'œuf détruit, vous n'aurez plus de Jiggy. Le tutoriel touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura aidé. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine !